Si aujourd'hui tu es étudiant, forcément, à un moment donné de ton parcours, tu seras amené à passer des présentations orales sous forme de PowerPoint ou bien même une soutenance à la fin de tes études, parfois en anglais. Tu vois, c'est très important. Tu ne peux pas être un étudiant aujourd'hui et tu ne sais pas utiliser l'outil PowerPoint pour faire des présentations. Parfois même, à la fin de tes études, tu vas aller en entreprise. C'est toi qui dois animer une réunion et tu dois faire ça sous forme de présentation orale. Donc mon gars, aujourd'hui, tu as l'occasion de connaître les bases. On ne te demande pas d'être un expert, mais il y a le minimum à comprendre. Et c'est ça qu'on va voir dans la vidéo. Comment ajouter du texte, comment faire des animations, comment faire des transitions. Donc si c'est des choses qui t'intéressent, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce que tu vas apprendre tout ça. Je sais que faire une présentation orale, c'est compliqué pour tout le monde, y compris moi. Mais le fait d'avoir un bon support, tu sais que tu as fait un bon diaporama, ça donne confiance en toi, tu as envie de montrer ça au jury. Donc attention, tout étudiant doit avoir ces bases-là. Donc je te souhaite un bon visionnage et surtout, abonne-toi et laisse-moi un petit like. Allez. Comment faire une présentation orale pour votre soutenance ou votre présentation orale? Aujourd'hui, si vous êtes étudiant ou bien enseignant, je pense que c'est indispensable de savoir utiliser cet outil parce que ça va vous servir tout au long de votre parcours. Donc cette formation-là, elle est pour débutants. Si vous regardez la vidéo jusqu'à la fin, vous saurez le minimum, les choses minimum qu'il faut comprendre pour faire une bonne présentation orale. Aujourd'hui, que vous soyez étudiant sénégalais, marocain, algérien, ivoirien ou bien français, savoir comment faire une présentation, c'est indispensable. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en premier lieu? C'est qu'on va se rendre sur l'application PowerPoint. Si vous ne l'avez pas, c'est bien possible de taper sur la barre de recherche Microsoft Office et vous allez l'utiliser, vous allez vous connecter. Et là aussi, il faut comprendre que vous pouvez vous connecter avec votre compte personnel. Mais souvent, vous allez devoir payer en fait. Mais souvent aussi, si vous êtes étudiant à l'université, vous avez normalement un compte étudiant et vous pouvez accéder à l'application PowerPoint. Pour les personnes qui n'ont pas l'application ou bien qui n'ont pas les moyens, tout ça, il faut savoir que c'est bien possible d'aller ici sur la barre de recherche et taper Google Slide. Et là, vous cliquez sur le premier lien et vous allez arriver sur cette page-là. Et là aussi, comme vous pouvez le voir, vous pouvez créer des présentations orales de façon très très simple, gratuitement. Mais le seul inconvénient de Google Slides, c'est que vous n'aurez pas toutes les fonctionnalités que vous avez avec le pacte Microsoft Office. Donc là, comme vous pouvez le voir, nous avons Excel, Microsoft Word et nous, ce qui va nous intéresser, c'est cette partie-là. Donc on va cliquer ici. Donc là, ne vous en faites pas. L'interface ici ne va pas forcément être la même que vous, mais tout ce que je vais faire là, ça ne change pas. Donc si vous cliquez sur l'application PowerPoint, la première chose qu'on va vous proposer, c'est cette page-là. Évidemment, comme je l'ai dit, ça ne va pas être la même chose pour vous. Donc là, on peut directement cliquer sur présentation vide, vierge. Donc ici, quand on clique là, ils vont nous proposer un modèle qui est vide. Donc ça, c'est à nous d'ajouter tout ce qu'il faut faire. Mais il faut savoir que le plus souvent, il y a des thèmes qui sont déjà prédéfinis. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a Madison, il y a Atlas, il y a Gallery. Par exemple, si toi, c'est ce modèle-là qui t'intéresse, n'hésite pas de cliquer ici. Donc là, c'est un modèle déjà prédéfini que tu peux réutiliser. Donc ça, c'est plus simple pour les personnes qui n'ont pas envie de créer un modèle. Si on retourne en arrière, attention, là, on propose 5 modèles. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de modèles. Tu peux bel et bien cliquer ici, afficher d'autres thèmes. Et là, voici, on va te proposer beaucoup de choses. Et franchement, il y a énormément de choses. Moi, le thème, le modèle que j'utilise le plus souvent, c'est ce modèle-là que j'aime bien. Mais n'oublie pas, tu peux bel et bien, si tu n'arrives pas à trouver un modèle qui te plaît, tu peux cliquer sur « Découvrir tous les modèles et thèmes » ici, tout à fait en bas. Et là, ils vont te proposer beaucoup de choses. Donc là, regarde à ta gauche, c'est marqué « PowerPoint ». Et là, tu peux bel et bien parcourir par catégorie en cliquant ici. Il y a énormément de choses. Carte de visite, facture, étiquette, CV, lettre de motivation ou album photo. Donc là, moi, ce que je te conseille, c'est de regarder tout à fait en haut. Tu verras forcément quelque part marqué
rechercher. Donc, quand tu cliques ici, tu peux bel et bien taper un mot-clé. Par exemple, moi, si ma présentation, c'est dans le domaine du business, pourquoi pas taper ici business et là, tu vas rechercher ce mot-clé-là. Et ils vont te proposer des présentations qui sont des modèles qui sont déjà prêts à utiliser. Mais attention, là, c'est marqué Excel. Toi, ce qui va t'intéresser, c'est PowerPoint. Donc, tu peux cliquer ici. Comme ça, tu auras un modèle qui est en lien avec le business. Et là, maintenant, tu peux cliquer sur ouvrir dans le navigateur. Comme ça, ici, il y aura le modèle qui va s'ouvrir. Et là, tu pourras travailler en fonction de ce modèle du business là. Voilà. Maintenant qu'on a compris comment commencer, on va retourner à la page d'accueil. Et nous, pour commencer, au lieu de sélectionner un modèle, on va sélectionner une présentation vide, vierge, où il n'y a absolument rien du tout, une page blanche. Donc, on va cliquer ici. Et là, on est prêt à commencer à faire notre présentation pour notre soutenance ou bien notre présentation en anglais. Avant de créer ta présentation orale sur PowerPoint, il faut comprendre tous ces outils qui sont en haut là, là où c'est marqué fichier, accueil, insertion, design. Évidemment, pour le moment, on ne va pas utiliser tous ces outils en même temps. Il y a des outils qui sont plus importants. Mais pour le moment, ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois que tu cliques sur un outil, ils vont te proposer d'autres fonctionnalités très très puissantes. Par exemple, si on clique sur accueil, tu vois que ici il te propose des outils. Par exemple, tu peux sélectionner une nouvelle diapositive en cliquant ici. Et aussi, tu peux bel et bien masquer une diapositive. Franchement, il y a beaucoup de choses. Tu peux modifier la disposition des diapositives. Pas que ça, évidemment, en cliquant sur ton texte, ici, on te permet de modifier la taille du texte, de mettre un texte en gras. De toutes les façons, on va avoir l'occasion d'en revenir à ça. Mais pour le moment, ce qu'il faut retenir ici, c'est que à chaque fois que tu cliques sur une partie, un outil, ils vont te proposer beaucoup de choses. Par exemple, ici, sur la partie création, tu peux bel et bien modifier le modèle que tu avais choisi au début de ta présentation. Au début, tu avais sélectionné une présentation qui était vierge, où il n'y avait rien du tout. Tu cliques sur la partie création et là, on te propose des modèles. Et là, tu peux bel et bien cliquer sur un modèle. Si tu vois qu'il n'y a pas le modèle que tu veux, et là, tu cliques ici. Comme ça, ils vont te proposer d'autres choses. Par exemple, si moi, ce modèle-là m'intéresse, pourquoi pas cliquer ici. Et là, maintenant, tu auras ce modèle. Là aussi, l'importance de faire ça, c'est que maintenant, à chaque fois que tu ajoutes une nouvelle diapositive, ce modèle va s'adapter automatiquement. Mais là, attention, si le modèle te plaît bien, la couleur verte, mais que l'arrière-plan ne te plaît pas, c'est coloré en blanc, tu peux bel et bien changer. Et pour cela, tu vas regarder ici, c'est marqué arrière-plan. Tu vas cliquer ici et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire un remplissage en cliquant sur cette flèche-là. Et là, maintenant, ils vont te proposer beaucoup de couleurs en fait. Et là, par exemple, si tu es intéressé par cette couleur-là, tu cliques ici. Sinon, on va modifier l'arrière-plan. On va mettre rouge. Voilà, on va sélectionner rouge. Tu vois que ça s'adapte automatiquement. Évidemment, je ne vous conseille pas de mettre arrière-plan rouge avec une couleur verte parce que franchement, ce n'est pas du tout beau. Mais je pense que tu as compris. Donc nous, on va laisser l'arrière-plan qui était blanc. Voilà, on va cliquer ici. Mais n'oublie pas, c'est bien possible aussi de mettre une image en arrière-plan. Et c'est très simple. Il suffit de cliquer sur arrière-plan et mettre image à partir d'un fichier. Donc, je pense que tu as bien compris. Nous, on va revenir à notre présentation qui était vierge. Pour cela, on va cliquer ici. Voilà, donc retiens que tous ces outils que tu vois là, ils servent à quelque chose. Mais pour le moment, on va pas utiliser tout ça. Les outils qu'on va utiliser principalement au début, c'est surtout la partie accueil, la partie insertion, la partie création. C'est des outils qui vont nous servir beaucoup. Et tous ces outils-là, animation, on verra au cours de la vidéo. On va créer la première page de notre diapositive. Donc là, on nous demande de cliquer pour ajouter du texte. C'est très simple. Déjà, il faut se rendre sur la partie accueil. Voilà. Ensuite, on verra la partie création où on va choisir un thème. Parce qu'on est d'accord que le noir sur du blanc, ça ne donne pas envie, franchement. Le but de PowerPoint, c'est de faire des choses qui sont attirantes, qui donnent envie d'être regardées. Donc là, on va cliquer deux fois ici.
pour mettre le nom de notre présentation. Par exemple, moi, c'est, disons que c'est l'ombricomposteur connecté. Donc là, en fait, disons que j'ai une sous-tenance à passer et on a un projet qui s'appelle l'ombricomposteur connecté. Donc là, une fois qu'on a écrit le texte, tu vois que le texte, il est long. Si tu as envie que ça prenne toute l'horizontale, tu vas cliquer ici, là, et tu vas tirer. Voilà, donc là, nous avons un texte qui est horizontal. Donc là, tu vois que le texte, c'est pas du tout beau. Et pour le modifier, tu peux bel et bien double-cliquer ici. Voilà. Et là, tu le mets en gras en cliquant sur le Z. Et si tu as envie de changer la couleur du texte, pourquoi pas cliquer ici. Et là, tu as beaucoup de couleurs, par exemple le rouge, voilà, ou le vert, comme tu veux. Là, n'oublie pas que tu peux modifier la taille du texte. Là, on est marqué, il s'est marqué 60. Et mais tu peux modifier en cliquant sur la flèche là. Et tu peux aussi modifier en fait la police du texte. Voilà. Donc pour le moment, on va laisser comme ça parce que je pense que tu as compris. Et si tu as envie de déplacer ce bloc de texte là, c'est bien possible. Tu cliques ici le texte et là tu vois un rectangle. Et tu peux amener ta souris ici. Tu vois, tu peux le déplacer comme tu veux. Voilà. Donc on va le mettre en haut là. Voilà. Donc là, on est d'accord que du rouge sur du blanc, ça donne pas envie. C'est pourquoi on va modifier le thème. Et pour cela, tu vas quitter Accueil, tu vas aller sur la partie création. Voilà, pour les gens qui parlent anglais, ça va être design. Donc on clique sur création et là on nous propose beaucoup de thèmes. Et qu'est-ce qu'on va faire? Si là tu vois pas le thème qui te plaît, pourquoi pas cliquer ici. Là tu auras beaucoup d'autres thèmes. Donc moi disons que le thème qui m'intéresse, c'est ce thème-là. Voilà, donc c'est vraiment parce que je pense à l'environnement. Donc là, évidemment, tu as une couleur verte avec le thème que tu as choisi. Si la couleur verte ne te plaît pas, tu es libre de voir ici, il te propose ce modèle-là en d'autres couleurs, par exemple le bleu ou bien violet. Disons que moi, le violet, ça me plaît beaucoup. Donc, je vais laisser comme ça. Voilà, donc là, n'oublie pas, comme je l'ai dit, tu peux bel et bien enlever l'arrière-plan qui est ici blanc et mettre la couleur que tu veux. Mais je pense que, voilà, mais dans tous les cas, c'est ici qu'il faut cliquer arrière-plan. Et là, remplissage unique. Et là, tu as beaucoup de couleurs. Par exemple, si tu as envie de mettre en fond d'une couleur, par exemple, noire, c'est bien possible. Hein? Voilà, mais franchement, c'est pas du tout joli. C'est pourquoi moi, je vais laisser la couleur blanche en arrière-plan. Donc là, on vient de créer notre titre. On va déplacer le texte un tout petit peu au milieu ici. Voilà. Donc là, une fois que tu veux créer une autre page, c'est très simple. Déjà, tu peux retourner à l'accueil. Il y a beaucoup de façons, mais moi, la façon la plus simple que j'utilise souvent, c'est de venir ici, sur la diapositive là, tu cliques droit avec ta souris, ils vont te proposer des options. Voilà. Là, évidemment, tu peux cliquer sur nouvelle diapositive. Tu peux cliquer sur dupliquer la diapositive. On va cliquer sur nouvelle diapositive. Donc là, tu vois qu'on te propose une deuxième diapositive avec le thème qu'on a conservé. Donc là aussi, tu peux cliquer ici et ajouter du texte. Voilà, et là, c'est dit sous-titres. Mais là, si tu as envie de créer une deuxième diapositive qui ressemble exactement à ta première diapositive, par exemple, il y a le texte, il y a tout ce que tu as écrit ici, tu cliques droit. Et là, au lieu de créer une nouvelle diapositive, tu vas créer, dupliquer la diapositive. Comme ça, ce que tu avais ici, tu vas le retrouver sur ta deuxième page. Il ne faut pas oublier qu'en haut là, il y a des outils qui sont très très puissants. Par exemple, aujourd'hui, si tu as envie de faire une comparaison entre deux choses, tu peux bel et bien venir ici, c'est marqué disposition, et tu cliques sur ce petit flèche là. Et là, il te propose beaucoup d'options. Par exemple, là, regarde. Comparaison ou bien title only comme tu veux ou bien titre et des sous-titres. Donc là, si on clique sur l'onglet comparaison, tu vois qu'on te propose deux cases. Là, tu peux bel et bien ajouter par exemple Lionel Messi et là, tu ajoutes Cristiano Ronaldo. Là, tu écris 7 ballons d'or, là, tu écris 5 ballons d'or. En fait, il y a beaucoup de possibilités. Voilà, donc la comparaison, c'était juste un exemple. Donc nous, on va supprimer la diapositive. Donc tu cliques droit sur la diapositive et là, tu peux cliquer sur supprimer ou bien couper comme tu veux. C'est très simple. Voilà. Donc une fois qu'on a créé notre première page et notre deuxième page, donc le projet, c'est l'ombricomposteur connecté. Donc deuxième page, on te demande d'écrire un texte. Donc souvent, quand tu fais une présentation, il faut créer un sommaire. Donc ici, nous, on va écrire par exemple sommaire, tu vois.
Donc là, tu peux bel et bien ajouter les parties de ton sommaire en écrivant, par exemple, je sais pas moi, introduction. Et là, tu écris, par exemple, développement. Évidemment, c'est pas ça, mais c'est juste un exemple. Et là, tu écris conclusion. N'oublie pas que tout ce que j'écris là, c'est bien possible hein, d'améliorer le texte. Pour le moment, on est en train de voir les bases, en fait, ce qu'il faut savoir pour commencer. Voilà. Maintenant qu'on a créé notre sommaire, nous allons ajouter des visuels en fait, des images, des textes, tout ce que vous voulez. Et avant ça, c'est qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une nouvelle diapositive. On va faire clic droit. Et là, nous avons nouvelle diapositive. Et ici, tu peux bel et bien écrire un titre, mais maintenant, tu sais comment faire. Là, on va se rendre sur la partie insertion, une partie très très importante. Et là, nous avons beaucoup de choses. Hein. Nous avons images, nous avons formes. Concentrons-nous sur la partie images. Donc là, tu cliques sur images. Il faut comprendre déjà, si tu as des images sur ton PC, tu dois cliquer ici, cet appareil. Et là, tu vas aller chercher une image que tu avais déjà téléchargée sur ton PC. Par exemple, moi, l'image, elle est là. Et si je clique sur ouvrir, donc là, tu vois, il y a mon image qui apparaît dans le diapo. Donc là, c'est comme ça qu'il faut ajouter l'image qui se trouve dans ton PC. Si tu as envie de modifier un peu l'image là, tu vois, automatiquement, on te propose des modèles ici. Tu peux cliquer ça. Là, tu vois l'image change, ou bien ça. Voilà, comme tu veux. Donc moi, pour le moment, je vais laisser l'image avec l'ombre derrière. Et si maintenant, il y a une chose qui est possible. Quand tu cliques sur insertion, tu cliques sur image, et là, on te propose quelque chose que qui est très très important pour moi, c'est rechercher sur le web. Donc tu peux cliquer ici et là il te donne une barre de recherche et beaucoup d'options, des images, l'avion, baseball, ballon, place, comme tu veux. Disons que toi tu aimes bien Sadio Mané et ta présentation concerne Sadio Mané, tu peux bel et bien taper ici Sadio Mané et là entrée, tu auras beaucoup d'images sur Sadio Mané. Évidemment, j'aime pas trop sa coiffure, mais t'as compris comment faire. Et là, tu vois qu'en bas, on te propose un petit texte. Tu peux cliquer et le supprimer, c'est possible. Voilà. Donc là, on a ajouté deux images. N'oublie pas, on va cliquer sur insertion image et là, rechercher une image. Et là, si ton projet il concerne sur des avions, tu cliques ici. Si c'est sur des livres, tu cliques là. Si ça concerne des voitures, tu cliques sur voiture et comme ça, tu auras beaucoup de modèles d'images de voitures. Insérer. Voilà. Donc là, on vient d'ajouter trois images. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a beaucoup de choses que tu peux faire. Si tu cliques sur l'image Sadio Mané, là, tu vois que tu peux tourner l'image comme tu veux. Tu peux voilà, faire des rotations de l'image. Et aussi, n'oublie pas, si tu cliques sur l'image, ils vont te proposer beaucoup de choses en haut. Voilà, tu peux cliquer là. Tu vois, ça donne un côté intéressant, beau quoi, tu vois. Voilà. Donc, on va laisser comme ça. Et là, si tu as envie d'agrandir l'image, très simple, tu cliques sur l'image et tu vas venir tirer ici. Voilà, donc comme tu veux, tu diminues ou tu réduis l'image. Donc il y a beaucoup de choses que tu peux faire avec l'image. Voilà, maintenant que tu as compris comment ajouter des images, donc maintenant on va se rendre sur la partie insertion, toujours. Là, on va ajouter des formes et tu vas cliquer ici. Voilà, donc là, tu vois qu'il y a beaucoup de formes. Si tu as envie d'ajouter par exemple cette forme-là, qui est ovale ou bien je sais pas moi celle-là, voilà, donc tu cliques ou bien au rectangle comme tu veux. On va cliquer ici. Dès que tu cliques, il y a un plus qui va apparaître et tu vas rester appuyé sur ta souris et tu vas venir tirer comme ça. Voilà, évidemment tu peux appuyer sur contrôle comme tu veux. Voilà, donc une fois que tu as fait ta forme, tu laisses en fait. Donc là, tu viens de créer une forme et cette forme-là, tu peux faire beaucoup de choses avec. Regarde en haut ici. Là, c'est marqué remplissage de la forme. Tu peux cliquer ici et choisir une couleur que tu veux du remplissage. Si tu as envie qu'il n'y ait pas de couleur, qu'il y ait une couleur blanche, rien du tout, tu peux bel et bien cliquer là, blanc. Et tu vois, c'est très important. Et maintenant, si tu as envie de changer le contour de la forme que tu viens de créer, rien de plus simple, regarde ici, c'est marqué contour de la forme. Pour le moment, c'est marqué en noir, mais tu peux cliquer ici et mettre la couleur que tu veux. On va sélectionner cette couleur-là. Donc on revient ici. Remarque bien que en bas, il te propose l'épaisseur de
ton contour. Donc là, on voit que le maximum, c'est 4. Voilà. Donc franchement, c'est très simple. Et en parlant des formes, si tu as envie aussi, tu peux sélectionner des rectangles. Et pour cela, tu vas chercher ici rectangle. Et là, tu vas venir tirer étant au rectangle. Et si tu as envie de modifier le fond qui est d'une couleur violette, pourquoi pas cliquer ici. Voilà, tu sélectionnes la couleur, donner blanc. Voilà. Et pour le contour, tu peux bel et bien mettre noir. Tu vois? Si tu as envie de mettre le contour d'une épaisseur plus grande, tu peux sélectionner ici la couleur et là tu vas mettre épaisseur comme ça. Voilà, comme ça tu as un truc intéressant. N'oublie pas que si tu as envie de modifier une forme, tu n'es pas obligé de cliquer ici et venir en haut. Tu peux bel et bien cliquer sur la forme et mettre clic droit. Et là, il te propose en bas style de forme et surtout remplissage de la forme ou bien le contour de la forme. Et toujours sur la partie insertion, on a vu comment insérer une image et comment modifier l'image, comment mettre des formes. Mais n'oublie pas que c'est bien aussi possible d'ajouter une zone de texte en cliquant ici, zone de texte. Et là, il y a un plus qui apparaît. Et là, franchement, tu peux cliquer ici, zone de texte. Et là, maintenant, tu peux écrire. Par exemple, là, on va mettre voiture. Voilà, donc. Si tu as envie de modifier le texte ou bien le déplacer et le mettre en bas de la voiture, rien de simple, plus simple, tu l'amènes ici. Et si tu as envie de changer la couleur du texte, pourquoi pas double-cliquer ici. Et là, on te propose des couleurs. Et là, rouge, tu vois, ou bien tu mets le texte en gras en cliquant ici, ou bien tu changes en fait la police en cliquant ici. Toujours dans la partie insertion, c'est bien possible aussi d'ajouter des tableaux et pour cela, tu vas cliquer ici. Voilà. Donc là, si tu veux un tableau à deux lignes, tu vas venir ici. Là, c'est ta première ligne et là, deuxième ligne et là, troisième ligne. Disons que notre tableau, il fait trois lignes. Et maintenant, le nombre de colonnes, tu vas déplacer vers la droite. Une colonne, deux, trois, quatre, cinq. Donc là, nous avons un tableau à trois lignes et cinq colonnes. Donc, on va cliquer ici et là maintenant nous avons le tableau qui s'est bien adapté à notre modèle de couleur violette. Donc là, n'oublie pas que ce tableau-là, tu peux le déplacer et le mettre là où tu veux. Évidemment, tu as beaucoup de cases. Tu vois une case, deux cases, trois cases et tu peux mettre des textes à l'intérieur de ce tableau-là et des valeurs. Et ce tableau-là, tu peux bel et bien le modifier en regardant en haut là. Par exemple, si tu as envie d'enlever le modèle violet, tu peux bel et bien cliquer ici, hein, comme ça tu auras un style un peu noir, comme tu veux. Sinon, tu cliques là et tu auras beaucoup d'options qu'on va te proposer. Mais nous, on va rester sur notre modèle en cliquant ici. Voilà, maintenant, tu sais comment ajouter des images et comment les modifier, comment mettre des formes, comment mettre des rectangles, comment mettre des images à travers le web, surtout comment insérer une image à partir de ton PC. Une fois qu'on a mis toutes nos images, nos textes, nos formes, maintenant, imaginons qu'on a envie de commencer notre présentation en classe. Et là, vous voyez, nous avons trois diapositives en fait. Donc là, si tu as envie de commencer ta présentation, tu peux cliquer sur F5. Sinon, tu vois ici, accueil, insertion, il y a une partie diaporama. Tu vas cliquer là et tu vas faire un test pour voir ce que tu as fait en cliquant à partir du début. Voilà. Donc là, voici la première page de ton diapo. Et maintenant, tu vas cliquer sur la flèche pour aller vers la deuxième diapositive. Voilà, voici le sommaire. Évidemment, ce n'est pas au top, mais c'est un exemple. Et voici notre troisième page. Est-ce que tu as remarqué que la transition de la deuxième diapositive à la troisième, il n'y a pas d'animation en fait. Toutes les images et le texte apparaissent au même moment. Nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut que cette image-là apparaît en premier et ensuite il y a la voiture et ensuite il y a cette image-là. Donc c'est pourquoi on va cliquer sur animation. Donc là, tu vas cliquer sur échappe pour revenir en arrière. Donc là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas cliquer par exemple sur la photo de Sadio Mané ici et tu vas te rendre sur animation. Et là, tu vois qu'il te propose ici aucune animation, apparition, fondu, entrée brusque. Et là, il y a une flèche, il y a beaucoup d'autres animations. Mais nous, comme on est débutant, on va pas voir tout ça. On va avoir l'occasion d'en parler. Pour le moment, l'animation la plus simple et la plus utilisée, c'est la première là, entrée avec apparition.
Donc, une fois que tu as cliqué sur la photo de Sadio Mané, tu vas cliquer ici, apparition. Et ensuite, tu vas te rendre sur la deuxième photo, voiture là. Et tu vas faire la même chose. Tu vas cliquer sur apparition. Et là, troisième photo, ici, apparition. Et une fois que tout ça c'est bon, on va faire le test en fait. Une fois que c'est bon, tu vas te rendre sur la partie diaporama ici. Et là, tu vas cliquer à partir du début. Voilà. Voici notre page d'accueil. On va avancer vers notre deuxième page, le sommaire. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer quand on va se rendre vers la troisième page où il y a toutes nos images? Et là, tu vois, bizarrement, non pas bizarrement, mais il n'y a pas les images parce qu'on a fait une animation. Et en fait, le but de faire des animations, c'est que quand tu commences ta présentation devant le jury, c'est mieux quand tu parles à chaque fois que tu dis quelque chose. Qu'il y a une photo qui apparaît. Par exemple, quand je parle, ok, Sadio Mané, et là, il y a l'image de Sadio Mané qui apparaît. Pour le moment, tu n'as pas parlé de voiture, du coup, il n'y a pas la voiture qui apparaît ici. Et quand tu vas commencer à parler de voiture, et là, tu vas cliquer sur la flèche, et la voiture va apparaître. Et aussi, quand tu vas parler d'autre chose, tu vas cliquer, et ça va apparaître au même moment où tu parles. C'est ça l'importance de mettre des animations. On va cliquer sur échappe. Pour la partie animation, n'oublie pas que dès qu'on clique pour la première fois, c'est la photo de Sadio Mané qui apparaît, ensuite la voiture, ensuite cette photo-là. Mais si tu as envie que la photo de Sadio Mané apparaisse en deuxième, c'est bien possible de cliquer sur sa photo. Et là, tu as deux flèches, avant et après. Et quand tu cliques là, déplacer après, elle va pas apparaître en premier. Donc nous, on va laisser comme ça. Je pense que tu as compris. Et aussi, tu peux régler le temps. Tu peux retarder une image. Voilà, par exemple, tu mets 2 secondes ou 3 secondes. Mais je te conseille de laisser comme ça. C'est des options un peu avancées qu'on verra bientôt. Et là aussi, n'oublie pas que quand tu cliques sur la flèche, nous on a mis l'option sur clic. Donc quand on clique, une photo apparaît. Et quand on clique, une autre photo apparaît. Mais tu peux bel et bien modifier et faire tout ce que tu veux. Mais je te conseille de laisser sur clic. N'oublie pas hein, que quand on parle d'animation, c'est pas que pour les photos, ça fonctionne pour tout en fait, même les textes. Et quand tu cliques sur le texte, tu peux bel et bien cliquer sur apparition. Voilà, et là, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas déplacer cette animation-là et tu vas la mettre en première. Et pour cela, tu vas cliquer sur déplacer et tu cliques une deuxième fois déplacer et tu cliques une troisième fois déplacer et une quatrième fois jusqu'à qu'il n'y ait rien ici. Ça veut dire qu'elle est placée en première position. On va faire le test pour voir ça et pour cela n'oublie pas toujours diaporama et là à partir du début. Première page, on clique sur la flèche, deuxième page et on clique sur la troisième flèche et là tu vois qu'il n'y a rien du tout, il n'y a pas le texte, il n'y a pas les images parce qu'on a mis l'animation et quand on clique sur la flèche, tu vois, c'est l'animation qui apparaît en premier, ensuite la photo de Sadio Mané et ensuite la voiture et à la fin la photo de PowerPoint. Échappe. Avec ta présentation, c'est bien possible de faire des transitions parce que là, tu as 3 diapositives. Si tu as envie de passer de la première à la deuxième, pourquoi pas mettre une transition? Et pour cela, tu vas cliquer ici sur ta première diapositive et tu vas te rendre sur la partie transition. Et là, on te propose beaucoup de transitions. Voilà. Et si tu veux voir plus, tu cliques là et là, tu as vraiment beaucoup de possibilités. Nous, on va faire un test. On va cliquer sur celle-là, balayer. Voilà. Et là, n'oublie pas, tu peux régler le temps de balayage. Mais avant ça, on va faire un test. On va cliquer sur la deuxième diapositive et on va cliquer sur balayer. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On peut régler le temps de balayage. Combien de temps va apparaître la transition? Là, c'est marqué 1 seconde. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre, par exemple, là, 1,25 ou 1,50 ou 2 secondes. Et maintenant, on va faire un test pour voir qu'est-ce que ça va donner. Pour cela, diaporama. Et là, tu cliques à partir du début pour faire le test. Et là, voici notre première page. On va cliquer sur la flèche pour voir s'il y a bien une transition. Et là, tu vois qu'il y a une transition de balayage et ça a mis beaucoup de temps parce qu'on a mis 2 secondes. Mais je te conseille de laisser 1 seconde comme ça va aller vite. Échappe. Voilà. Je pense que tu as compris comment on fait des transitions et comment surtout régler le temps. Et il y a beaucoup d'options de balayage. Mais franchement, il faut être simple. Sinon, tu mets aucune transition comme ça se fait naturellement. Maintenant qu'on a compris comment fonctionnent tous ces outils, accueil, insertion, création, transition, animation, normalement on doit sauvegarder notre fichier.
parce que sinon, tout le boulot qu'on a fait, ça ne sert à rien. Mais avant ça, faisons un petit résumé. N'oublie pas, quand tu es sur la diapositive première ou bien la deuxième, le sommaire, là, tu as remarqué que j'ai ajouté des puces. En fait, ce que tu vois là, on appelle ça des puces en fait. Tu peux le modifier. Et quand tu sélectionnes tout ton texte, de l'introduction par exemple jusqu'en bas, et là, tu as des options. Et ici, tu peux bel et bien cliquer sur Bibliothèque de puces. Ici est le son Z. Tu vois, moi j'avais sélectionné celui-là. Tu peux faire aucun ou bien tu songes comme tu veux. Attends, on va recommencer ça. On va sélectionner tout le texte et là, Bibliothèque de puces. Et tu peux mettre comme ça, en point ou bien comme ça. Sinon, tu peux mettre des numéros en fait en cliquant ici. Et là, tu as 1, 2, comme tu veux, ou bien A, B, C. Voilà. Donc, tu vois, le sommaire, ça va être tout le temps comme ça. Et n'oublie pas que ce sommaire-là, tu peux bel et bien animer le texte. Par exemple, il y a d'abord l'introduction qui va apparaître, ensuite développement et conclusion. Et n'oublie pas, là, on a mis trois diapositives. Si tu as envie de dupliquer cette diapositive-là, tu peux cliquer ici et clic droit. Tu vas mettre dupliquer la diapositive comme ça. Il y a une autre qui ressemble à celle-là qui va apparaître en bas. Sinon, tout simplement, tu peux ajouter une diapositive sans dupliquer et tu cliques droit. Tu vas cliquer sur nouvelle diapositive comme ça. Ils vont respecter ton thème. Si tu as envie de modifier ce thème-là pour une partie, pour une page de ton diapo, création. Et là, tu as beaucoup de thèmes. Tu peux bel et bien mettre ce thème-là en couleur verte. N'oublie pas les animations. S'il te plaît, très simple, tu cliques sur l'image et là, tu vas te rendre sur animation. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voir l'animation que tu as envie de faire et surtout, si elle n'est pas proposée là, tu cliques sur la flèche comme ça, on te propose beaucoup de choses. Et surtout, vérifie bien que c'est bien réglé sur clic et surtout le temps qui est très très important. Et si tu as envie de modifier l'ordre d'apparition des animations, regarde ici, déplacer avant ou après. Attention, toutes les applications ne sont pas les mêmes. Ici, dans mon cas, c'est proposé ainsi. Mais dans ton cas, ça va peut-être être présenté autrement. Mais dans tous les cas, c'est à toi de bien lire la page d'accueil. Et franchement, c'est très simple. Voilà, maintenant, si tu as envie d'enregistrer tout le boulot que tu as fait, c'est très simple. Tu cliques sur Fichier. Et là, on te propose beaucoup de choses. Là, tu vois enregistrer sous, imprimer, partager. Il y a une chose que j'ai oublié de vous montrer. Avant d'enregistrer notre fichier, il faut savoir que souvent, quand tu fais un projet, tu es amené à travailler avec des personnes, avec d'autres étudiants. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est de créer un seul document et de le partager. Comme ça, tout le monde a accès à ce document-là. Pour cela, rien de plus simple. Regarde en haut, c'est marqué partager ici et tu cliques sur partager et là évidemment tu vas cliquer partager et là tu vas ajouter les mails de toutes les personnes qui vont avoir accès au document. Par exemple là tu vas écrire l'adresse mail celui-là, tu vois, et là tu vas cliquer sur envoyer. Donc lui aussi dans son espace, il verra la partie document partagé et il pourra travailler en même temps que toi. Donc une fois que tout ça c'est bon, on va cliquer sur fichier. Et là, on va cliquer sur enregistrer sous. Voilà, donc là, tu fais comme tu veux. Si tu as envie d'enregistrer au format PDF ou bien télécharger une copie, c'est comme tu veux. On va cliquer sur enregistrer sous. Et là, tu vas donner un nom à ton fichier. Et surtout, l'emplacement, tu le sélectionnes comme tu veux. Et si c'est bon pour toi, tu cliques sur enregistrer. Voilà. Évidemment, il y a beaucoup de façons d'enregistrer un fichier. Je pense que tu l'auras compris. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo-là pour débutants. N'oublie surtout pas de me laisser un petit commentaire et un petit like, ça fait plaisir. Et surtout, ça c'est une formation pour débutants. Il y aura bientôt une autre vidéo pour version avancée où on va apprendre vraiment à faire des choses extraordinaires pour vraiment impressionner vos professeurs en fait et avoir une bonne note. Allez, merci beaucoup.